Gagner avec le résultat en 5 minutes sur un ISBET. Bonjour, chers abonnés. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Placez son pari sur le résultat en 5 minutes sur un ISBET. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma page YouTube, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Et si la vidéo vous a plu, likez-la massivement. On vient sur l'application Unisbet. Il faut savoir que le pari sportif comporte des risques, l'endettement et l'isolement. On rentre dans cette rencontre. Je tiens à vous dire que cette option est disponible lorsque les matchs sont en direct. On déroule le menu, on vient dans événements rapides. Dans l'événement rapide, on va s'intéresser au résultat intervalle en 5 minutes. Nous avons trois options qui sont proposées à nous. Si l'équipe 1 gagne pendant les 5 minutes, l'accord s'élève à 13,4 à notre gauche. Si c'est un match nul, l'accord s'élève à 1,05. Et si c'est l'équipe 2 qui gagne pendant les 5 minutes, l'accord s'élève à 17 à notre droite. C'est la même chose avec l'intervalle de temps qui commence entre 50 minutes à 54,59 secondes. Et si l'équipe 1 gagne pendant les 5 minutes, l'accord s'élève à 13,4 et si c'est un match nul, l'accord s'élève à 1.056. Et si c'est l'équipe 2 qui gagne pendant les 5 minutes entre 50 minutes et 55 minutes, l'accord s'élève à 17 à notre droite. Donc c'est la même chose qui se répète aussi à la troisième option suite à la troisième ligne. Si l'équipe 1 gagne le match entre 55 à la 60e minute, l'accord s'élève à 13.4. Si c'est match nul entre les deux équipes, l'accord s'élève à 1.056. Mais si c'est l'équipe 2 qui gagne pendant les 5 minutes, la cote s'élève à 17 à notre droite. Je vous conseillerais plutôt de placer au pari sur les marques une une pendant les 5 minutes. Vous voyez que la cote est petite, mais votre mise est sécurisée. Bonne chance à ceux qui vont parier sur cette option. Pour ceux qui veulent plus d'informations, mes coordonnées se trouvent dans la boîte de description. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.